Cela ressemble à la salle d'attente d'une clinique ultra-moderne. Le mobilier est design, la standardiste est dans les tons. Tout cet apparat n'est pas réservé aux humains, mais aux animaux malades. Tu es sage, Diop. Ce prénom très chic appartient à ce petit bichon de 10 ans et demi. Valérie, sa propriétaire, ne dort plus. Dior va subir un examen en urgence, car il a très mal au ventre. On ne peut plus attendre, en fait. Hein, parce qu'un jour sur deux, il est bien, et puis après, ça crée des soucis. Et puis même pour lui, dans sa vie comme dans la nôtre. Je veux dire qu'après, voilà, on les préfère en bonne santé. Monsieur la maîtresse, s'il vous plaît. Valérie et Pascal ont tout fait pour soulager le petit Dior. Ils ont déjà consulté leur vétérinaire 6 fois en 3 semaines, sans aucun résultat. Il leur a donc conseillé de lui faire passer un examen, généralement réservé aux femmes enceintes, une échographie. Alors, Dior, c'est Dior. Ça ? Oui. Qu'est-ce qui lui arrive, monsieur dame ? Ça a commencé par des douleurs en faisant la promenade et s'est couché. D'accord. Voilà, donc un petit peu la panique, hein, forcément. Il se cambrait sur les pattes avant, remontait ses petites fesses et avait des spasmes assez douloureux. Je vis beaucoup avec lui. Je m'exprime comme ça parce que je connais, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait des bruits inconsidérés dans son ventre. Je ne sais pas comment appeler ça. Vous gargouillis. Voilà, vous, mon mari, appelle ça des aliens, n'est-ce pas ? J'ai du mal à dire des aliens, c'est pas facile à dire. Voilà, bon, donc il y avait des aliens. Et alors, à partir du moment où ça se déclenchait, je savais qu'il fallait qu'il mange de l'herbe. Ok. Donc on va faire cette échographie tout de suite, ensemble. Ok. L'échographie est un examen non douloureux. 2 et 3. Mais pour Valérie, c'est une torture. Allez, tu restes tranquille. Là. Et vous allez venir, madame, hop, lui tenir les deux patounes comme des manettes. Et vous le rassurez. Les gémissements de son chien la mettent au bord des larmes. Le docteur Isabelle Testo essaie tant bien que mal de détendre l'atmosphère. Je ne fais pas voir que les intestins, je fais un tour du propriétaire. Hein. D'accord. Donc ici, vous avez la vessie, vous avez une très jolie petite prostate. Regardez comme elle est belle, la prostate. Une très jolie petite prostate. Voilà. Mais rapidement, l'examen révèle une anomalie. Vous voyez, c'est juste là. Vous avez une chose qui apparaît un petit peu plus foncée à l'échographie. C'est la zone du pancréas. Et quand je regarde cette zone-là, j'ai un pancréas qui est particulièrement visible, avec autour la graisse qui est particulièrement blanche. Ça peut signer des lésions dites de pancréatite, d'inflammation du pancréas. Et ça fait très mal. Et ça peut vous expliquer vos symptômes. Dior a besoin d'examens complémentaires. Mais sa maîtresse n'est pas prête à le lâcher. Alors là, madame, vous allez me donner votre bébé. Oui. Je l'emmène faire une prise de sang avec mon infirmière. D'accord. Vous allez repasser en salle d'attente, vous détendre, prendre un café, un thé, un chocolat. Je ne sais pas si le café, c'est une bonne idée, en fait. Non, je ne sais pas. Boire un verre d'eau. Je vais lui faire sa petite prise de sang. Tout va bien se passer. On n'a rien trouvé de dramatique sur ce petit chien. Quand ils voient leur chien s'éloigner, Valérie et Pascal angoissent. Ils ne peuvent imaginer la vie sans Dior. C'est un être unique. Il est unique. On l'a voulu, on a été le chercher, il est né, il est arrivé dans notre vie. Voilà. Mais par contre, le bonheur pour Dior, c'est d'être réunis tous les trois. Papa, maman, Dior, tout va bien. Papa, maman. Papa, maman, oui. Et voilà. Dior a fini ses examens. L'attente des résultats va être interminable pour sa maîtresse. Comme Valérie et Pascal, plus d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Avec 61 millions de lapins, de chats, de chiens ou de tortues, la France détient le record d'Europe. Bonjour. Autant de propriétaires, prêts à tout pour le bien-être de leurs fidèles compagnons. Ça fait 419,50 €, s'il vous plaît. En 10 ans, les dépenses liées à leur santé ont augmenté de 70%. Pour répondre à cette demande, les vétérinaires ont eu l'idée de construire des cliniques ultra-modernes à la pointe de la technologie. Ici, il y a un service de soins intensifs, 4 salles d'opération et même un scanner, exactement le même que pour les hommes. Comme pour les grands sportifs,
les chiens ont aussi droit à des séances de rééducation et de balnéothérapie. Oui, c'est bien ça, loulou. Une quinzaine de vétérinaires, 10 assistants, en tout 40 professionnels se relaient jour et nuit pour s'occuper de ces animaux en souffrance. Le petit Vinny s'apprête à subir une opération de choc. Une intervention encore inimaginable il y a quelques années sur un chien. Et on obtient forcément une... Ce vétérinaire a choisi une spécialité plutôt surprenante. Il est dentiste pour chiens. Autour des racines, l'os est quasiment totalement absent. C'est-à-dire que l'infection a rongé l'os, hein, littéralement. On va devoir lui enlever presque toutes les dents. En France, ils sont seulement 3 comme lui à pratiquer ce genre d'opération. Et n'allez pas lui dire que son métier est un peu futile. Effectivement, le chien qui s'est cassé une dent sur lequel on va mettre une couronne en or, je caricature un petit peu les choses, mais on peut considérer peut-être que là, c'est du luxe. Mais sur un animal tel que celui-là, c'est pas du luxe. Sur une trentaine de dents, le dentiste n'a pu sauver que 3 crocs, petit Vinny. Mais ça ne devrait pas lui poser de problème pour manger. Un chien ne mâche pas, en fait. Gober une croquette ou gober de la pâtée, il n'y aura aucun problème. Après une heure d'opération, Vinny, édenté, retrouve sa maîtresse et son fils, très heureux de le récupérer sain et sauf. Voilà le petit Vinny. Oh, je vous le mets dans les bras. Ah oui, alors. Ça va, vous le tenez? Oui, oui, je le tiens. Voilà. Bonjour, ma petite puce. Oh, mon petit lapin. Vous êtes un lapin, hein. Oh là là. Pauvre petite bête. Voilà, vous voyez, on a fait du grand ménage. Hein. En l'occurrence, j'ai enlevé... Son chien n'a plus de dents, mais ça ne la gêne pas trop. Là, il ne lui reste plus que 3 canines. J'ai qu'une dent, moi. Des fois, mes petits-enfants, ils ont peur de moi, hein, avec ma dent. Mais t'as trop mangé de bonbons, c'est pour ça. Et votre chien, il en aura plus que vous? Ah oui, plus que moi. Petite bête. Selon le docteur Boutoil, un chien, c'est comme un enfant. Il faudrait l'habituer dès le plus jeune âge un geste tout bête. Peut-être une solution, mais la meilleure des solutions, c'est les soins tels que sont, par exemple, le brossage dentaire. Donc, de réussir à aller brosser les dents du chien. Vous vous rendez compte, laver des dents, un petit chien comme ça, il mord à chaque fois. Il est hargneux, hein. Avec ses 3 dents, Vinny ne risque plus de mordre sa maîtresse. En revanche, cette opération va faire mal à son porte-monnaie. On est du coup en tout à 527,06 €, s'il vous plaît. Plus de 500 €, tout à la charge du propriétaire. Les soins vétérinaires ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Malgré sa petite retraite, la maîtresse de Vinny n'a pas hésité une seconde avant de le faire soigner. Ça fait beaucoup, mais vous savez, je ne regrette pas, on ne regrette pas. De les donner pour lui parce que il est beau. Hein. Ah oui. Ah, disons, on l'a jamais emmené. Vous savez, les petits chiens sont meilleurs que les humains, quelquefois. On est triste, ils comprennent, ils viennent sur vous. Oh, c'est vraiment adorable. Pour moi, ça n'a pas de prix. De leur côté, Valérie et Pascal vont enfin savoir si la maladie de Dior est grave. Les résultats des analyses sanguines viennent de tomber. Bon, alors. La maîtresse est tendue. Donc, on a plusieurs choses. Première chose, on a confirmation qu'il s'agit bien d'une pancréatite. Mais surtout, ce qui est important, c'est que cette pancréatite n'a pas de répercussions au niveau état général. Vous êtes rassurée, madame? Ah oui, totalement. Totalement. Oui. On vivait pour aujourd'hui, hein, en fait. C'est pas simple, hein. Ça parle pas, hein. Donc après, c'est tout le ressenti de... Bon, après, j'avoue aussi une chose, c'est que je suis extrêmement fusionnelle avec Dior. Ça, on ne peut pas me le reprocher, je ne peux pas me changer maintenant, c'est évident. Donc, il vit un petit peu ce que je vis aussi. Après 3 semaines de traitement, Dior retrouvera toute sa vitalité. Pour leur bichon, Valérie et son mari dépensent sans compter. Quelle que soit la taille de la bête, l'affection des propriétaires pour leur animal reste immense. Cet amour peut leur coûter des fortunes et des décisions sont parfois difficiles à prendre.
C'est la triste mésaventure qui frappe Xavier et sa femme. À leur retour de vacances, ils ont retrouvé leur cheval en piteux état. Oui, en effet, il a mal. Alors attendez, on va. Cette clinique de la région parisienne est peut-être la seule à pouvoir sauver Nevermind, 12 ans. Xavier et sa femme ne sont pas des éleveurs. Leur cheval n'est pas un crack, mais c'est toute leur vie. Nevermind s'est enfoncé un clou rouillé dans le pied il y a une semaine. Ils l'ont retiré, mais l'animal boite de plus en plus. Son pied est infecté. Ils ont donc pris rendez-vous en urgence afin de faire des examens approfondis. Pour l'emmener jusqu'ici, ils ont improvisé un pansement de fortune. C'est des couches pour bébé, en fait. Cette vétérinaire qu'on a vue en premier qui nous a soumis de mettre ça pour amortir et protéger, en fait, le pied. Vous en aviez ? Non, on a acheté. On a acheté des couches pour bébé exprès. Ce couple a une grande fille qui a déjà quitté la maison. Toute leur attention s'est reportée sur leur cheval. Ils s'en occupent et le montent tous les jours depuis 2 ans. C'est un cheval qu'on a récupéré qui était très très mal en point. Et qu'on a retapé, qu'on a remis en état. C'est le coup de pas de chance, quoi. Malgré sa taille, 1,80 m au garrot, le cheval est un animal fragile et ses propriétaires le savent bien. Il redoute que l'infection provoquée par le clou se propage. Ah oui, en effet, oui. À première vue, selon le docteur Launois, la blessure n'est vraiment pas jolie. Ah bien, le danger quand on a une infection là, qui dure de plus de 8 jours, c'est d'avoir une infection tendineuse, une infection articulaire, une infection osseuse. Et là, le pronostic vital peut être engagé, clairement. En clair, l'infection peut le tuer. Je vais en ajouter un petit peu. Ça va. Oui, oui. J'ai vu quand même quelques chevaux dans ma vie et ouais, je sais que c'est pas génial comme blessure. Ça. Après, ouais, il y a tellement une misère ce cheval que. Une de plus, une de moins. Je pense qu'il s'est sorti de tout jusqu'à maintenant. Là. Le seul moyen de savoir s'il faut opérer Nevermind, c'est de passer sa jambe dans l'IRM. Seules 5 cliniques en France sont équipées de cet appareil d'imagerie médicale très sophistiqué. Après 1h30 d'attente, la question ne se pose plus. Le clou, il vient là, et il vient faire ça. Clac. Et il vient taper ici. T'as pas le choix. Ah oui, d'accord. Donc là, de toute façon, c'est grosse chirurgie, invasive, etc. OK. Donc on va faire le point. Donc, c'est son crénier. Si on l'opère pas, il passe. Oui, le pronostic vital est plus qu'engagé. Si on la fait pas, ça fera pas. Maintenant, le choix qui s'offre à eux est terrible. Euthanasier leur cheval ou dépenser près de 10 000 euros en chirurgie et en soins sans aucune garantie de résultat. Normalement, il y a de grandes chances qu'ils s'en sortent. Par contre, de là à vous certifier que vous puissiez le récupérer comme cheval de loisir, je le saurai surtout après la chirurgie et dans les jours qui vont venir. On est prêt à beaucoup de choses, mais c'est sûr qu'on trouve une facture entre 5 et 10 000 euros pour pas être plus sûr. C'est juste la question qu'il faut se poser. Si on était certain à 100% du résultat, la décision serait moins difficile. Même s'ils gagnent bien leur vie, cette somme représente beaucoup. Oui, bien sûr. Mais peut-être pas autant que la décision qu'ils doivent prendre. Le couple a une nuit pour réfléchir. À Nantes, à la clinique vétérinaire ultra-moderne, on soigne aussi des animaux très à la mode. Tortues, perroquets, reptiles. On les appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Ils sont tellement en vogue qu'un département entier leur a été consacré. Ce matin, le malade est cette petite couleuvre.
Elle ne mange plus depuis un mois. Une grosse tête, là. Elle est vive quand même, elle bouge, elle... Elle est vraiment toute petite. Ce que je ferais bien, moi, du coup, c'est de vous la garder peut-être là un jour ou deux pour gaver. Ça fait 5 grammes. Normalement, elle devrait peser 4 fois plus. Même si les couleuvres jeûnent plusieurs semaines dans la nature, celle-ci a besoin de manger. C'est une question de survie. Pour lui redonner goût à la nourriture, sa maîtresse lui a pourtant acheté des morceaux de souris congelés. J'ai toujours eu une attirance pour ces animaux-là. C'est le côté différent, en fait, vraiment. Le côté prédateur que j'aime bien chez eux. C'est pas visqueux, comme les gens pourraient penser. Ça mord pas, c'est moins dangereux qu'une souris, je suis sûre. À mordre, ça fait même pas mal. Le docteur Rizzi pense avoir trouvé le problème. Le couple joue avec son serpent, comme si c'était un animal de compagnie ordinaire. On ne fait pas des bisous à un serpent, ça n'a pas d'intérêt pour le serpent, ni pour les personnes. Non, on est plus en contact quand même. Moi, on le prend régulièrement. On le prend plus régulièrement, par contre, on ne savait pas que c'était mauvais pour lui. Ah, il ne faut pas le sortir. Parce que si vous embêtez, si vous embêtez à faire 30 degrés dans le terrarium, vous le faites passer à 10 degrés de moins chez vous, d'un coup. Peut-être qu'elle, elle est de caractère, entre guillemets, stressée d'être sortie manipulée. Peut-être que c'est que ça son problème. La petite couleuvre retrouvera l'appétit 2 semaines plus tard. L'urgence qui attend le docteur Rizzi et son équipe ce matin-là va leur donner du fil à retordre. Ils ont apporté tout leur arsenal pour affronter une belle bête. L'animal s'appelle Kazaï. Et elle n'aime pas du tout les vétérinaires. Cette lionne de 2 ans et demi doit être transférée dans un autre parc en Pologne. Avant de l'y envoyer, il faut la vacciner. Un acte a priori banal pour un vétérinaire. Mais quand il s'agit d'un fauve, rien n'est simple. Dans une seringue. La plupart de ces animaux-là, pour donner des médicaments, on est obligé de les flécher. Les flécher, cela signifie les endormir. Et c'est là tout le problème pour le docteur Rizzi. J'ai 3 et 2. Une dose trop forte d'anesthésiant pourrait tuer l'animal. Mais avec une dose trop faible, la lionne pourrait se réveiller alors qu'ils sont encore dans la cage. Tout le monde est un peu sur le... parce qu'il ne faut pas que ça se passe mal, c'est dommage, ils ne sont pas malades, il n'y a pas de problème particulier sur ces animaux, il faut juste qu'ils s'en aillent sereinement en Pologne, donc il ne faut pas faire de bêtises, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas qu'ils se blessent. Il y a une petite dose de stress quand même, même si vous... Oh, bah oui. Pour injecter la dose d'anesthésiant, Emmanuel utilise ce pistolet à air comprimé. 3,5. La partie est loin d'être gagnée. La lionne ne ferait bien qu'une bouchée du docteur Rizzi. Elle me suit au lieu d'aller au fond de la cage et je ne peux pas rentrer le canon. C'est trop près pour tirer. Si je rentre le canon, elle le mord mon canon. Après plusieurs tentatives, Kazaï s'éloigne enfin. L'animal est touché, mais elle est combative. Avec sa patte, elle fait tomber la fléchette. Elle n'a peut-être pas reçu toute la dose d'anesthésiant. Tu touches pas. L'équipe tente de récupérer la seringue avant que la lionne ne se blesse avec. C'est des gros chats joueurs. Tout va bien, j'aurais dû prendre dans l'autre sens. Kazaï est groggy, mais encore très dangereuse. Emmanuel lui envoie la dernière dose. Voilà, c'est bon. Et elle a bien pris. Et elle y va encore. Hein. Au bout d'une demi-heure, la lionne ressemble à une grosse peluche. Enfin, mieux vaut vérifier une dernière fois que la bête est bien endormie. Ils sont pas mélangés. Hein. Ok, allez-y. Normalement, toutes les précautions sont prises pour qu'elle se réveille. Mais on peut avoir parfois des effets un peu imprévisibles. Une fois la prise de sang et les vaccins effectués, 1, 2, 3. 4 personnes ne sont pas de trop pour soulever ces 180 kilos.
Kazaï est née dans ce parc, mais elle ne peut y rester. Pour éviter les problèmes de consanguinité au sein d'une même espèce, les zoos d'Europe s'échangent leurs animaux. Attrape la queue, tirer la couverture. Voir une de ces bêtes partir est toujours un moment émouvant pour le directeur du parc. C'est la suite logique avant les vivent leur vie de future maman dans un autre parc. La boîte des lions, même si on n'est pas allé caresser, voilà. Et on passe du temps avec, ils nourrissent tous les jours, il faut les rentrer matin et soir. Et... Je vais aller voir. Il y a des échanges. D'accord. Comme tous les animaux, hein, de toute façon. Avant le départ, Emmanuel vérifie une dernière fois que la lionne s'est bien réveillée. Elle bouge bien la tête, elle a la tête levée, donc on est en sécurité. Et on doit, nous, être en sécurité. Si l'animal avait un problème à cause de l'anesthésie, on est responsable. Donc là, je suis sûr qu'elle est bien réveillée, elle peut partir. Le sort de Kazaï est scellé. Elle va continuer sa vie en Pologne. En Île-de-France, une décision importante a été prise. Les propriétaires de Nevermind ont rappelé dans la soirée. Ils veulent sauver leur cheval. Quel qu'en soit le prix. Ce matin, il va donc être opéré de sa patte infectée. Pour l'endormir, il faut 3 fois la dose injectée à la lionne Kazaï. Là, le cheval va se coucher. Donc, il peut tomber plus ou moins doucement. Voilà. Donc, vous voyez, ça l'incite à se mettre à se coucher et à s'asseoir vers l'arrière. Voilà. Et voilà. Donc là, on attend qu'il s'anesthésie bien. C'est parfait. Reste maintenant l'une des parties les plus délicates, le transporter jusqu'à la table d'opération. Pour cela, la clinique est équipée d'un treuil capable de soulever les 662 kilos de Nevermind. Un petit coussin pour son confort. Et l'opération commence. Comme pour les humains, le bloc opératoire est stérile. Bon, là, on va y aller à la lame de bistouri. Pendant 2 heures, une machine assure la respiration du cheval et une autre surveille son rythme cardiaque. Daniel, j'ai changé de lame. À la fin de la chirurgie, le docteur Lenoir est plutôt satisfait. Il a réussi à enlever les tissus infectés. Pour bien guérir, il faudrait que Nevermind reste immobile sans poser la patte par terre pendant près de 2 mois. Impossible pour un cheval. Un pied de cheval, ça marche dans des choses pas très propres, donc on va faire un plâtre, on va faire toutes ces choses-là. Et ça met un temps fou à cicatriser. Tous les jours, les soigneurs vont devoir lui refaire cet énorme pansement. Contrairement aux humains, après une opération, un cheval ne peut rester allongé pour se reposer. Oui. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que le cheval se mette debout, ce qui est encore une autre gageure. Parce qu'on dit toujours en anesthésie chez le cheval, c'est comme les avions. Les moments les plus risqués, c'est le décollage, donc quand on les touche, et l'atterrissage, donc quand ils se relèvent. Les murs de la salle de réveil sont capitonnés. Car en se relevant, le cheval peut se cogner et se faire très mal. Les assistants vétérinaires restent avec lui pour surveiller ce moment délicat. Nevermind est comme un pantin désarticulé. À
Après plusieurs tentatives, il se remet d'un coup sur ses pattes. Il est dans les choux ? Ah, il est encore bien prêt, oui, c'est sûr. Voilà. Nevermind, un géant au pied d'argile. Ses propriétaires l'ont sauvé d'une mort certaine. Mais ils doivent encore être patients. Dans 2 mois, soit il galope de nouveau avec lui, soit Nevermind termine sa vie comme cheval de compagnie, trop faible pour les promener sur son dos. Pour l'amour de leur animal, ses propriétaires ont déjà payé une facture de plus de 6000 euros et les dépenses sont loin d'être terminées. En milieu rural, lorsqu'il s'agit de soigner un animal, la question de l'argent ne se pose pas de la même manière. Perdre une bête pour un éleveur, c'est un salaire qui s'envole. Marie a dû intégrer cette notion économique dans son métier de vétérinaire. Les éleveurs aiment leurs bêtes, mais c'est aussi un outil de travail, c'est ce qui leur fait gagner leur vie. Si jamais il y a des traitements qui sont faits pour rien, on va éviter de se diriger vers là pour éviter de faire des frais, éviter de perdre du temps. Pour économiser de l'argent, les éleveurs prodiguent eux-mêmes les soins. Alors quand ils appellent Marie, c'est qu'il y a urgence. C'est un peu votre bureau, là, derrière. C'est ma réserve. Oui, oui. Bah, il faut avoir tout ce qu'il faut sous le coude. Parce qu'une fois qu'on est parti, s'il nous manque quelque chose, c'est embêtant. C'est que quand on est appelé, c'est que c'est compliqué. Comme ce jour-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'une des 120 vaches de cette dame est en train de mettre bas. La poche a été rompue quand ? Il y a 1 heure à peu près. 1 heure, et là ça n'avance plus ? Non, elle pousse pas trop et j'ai plus peur qu'il soit un gros veau. Et... Bon, on va aller voir ça. Alors. En Bretagne, les vêlages ont lieu toute l'année. En moyenne, Marie en effectue 1 par semaine. Et il y a intérêt à bien se protéger. Casaque en plastique pour pas être pleine de liquide amniotique. Et tout ce qui va avec. Pour rester au sec. Les pattes du veau sont sorties, mais la vache ne pousse plus. Je pense que c'est un beau veau. Il est bien placé, mais il est costaud. Trop gros, le veau a besoin d'aide. Il faut aller voir à l'intérieur. Prise au piège dans le ventre de sa mère, il risque de s'étouffer. Qu'est-ce que vous faites là ? Je pose les cordes sur les pattes pour pouvoir tirer sur le veau et puis engager. Cette naissance s'annonce physique. Et la vache ne veut toujours pas pousser. Marie n'a pas le choix. Elle est obligée d'employer la manière forte. L'engin a l'air barbare, mais il est sans douleur pour la vache. C'est pas très maniable. C'est une sorte de forceps pour bovin. T'as vu ? Museau. T'as vu un museau ? C'est bon, c'est bonne pioche. Allez. Est-ce qu'on peut faire un peu levier vers le bas ? Ouais. Bah ouais, ma nanette. Allez, quelle vie, hein. Allez, vide. Tiens le coup, hein. Alors, est-ce que tu arrives à me faire un tout doucement. On attend un peu qu'elle pousse. Là, il y a plein de glaives. Ouais, je pense que c'était une bonne initiative. Allez, on y va. Ouais. En sortant, le cordon ombilical se rompt tout seul. Un petit mal. Il pèse près de 50 kilos. C'est bien d'intervenir à ce moment-là parce que... Il avait commencé à boire en fait... Boire la tasse. Ouais. Il avait du liquide dans les poumons. Sans l'intervention de Marie,
Le veau aurait pu se noyer dans le liquide amniotique de sa mère. Quel est votre sentiment là ? Très contente. Fière de moi. Non, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Quand tout se passe bien, c'est super. Hop. Un petit loup. Même si les premiers pas sont attonnants, le veau est en pleine forme. Mais l'éleveuse, elle, est un peu déçue. Elle pense au manque à gagner. Un petit mâle, ça n'a presque pas de valeur. Aujourd'hui, les veaux mâles, on les vend allez, au mieux 70-80 euros. Une génisse, on va automatiquement la garder et ça fera une future vache. Et une vache en lait, ça a de la valeur. À peine remontée à bord de son véhicule, Marie reçoit un coup de fil de son cabinet. C'est une génie, c'est apparemment le veau est tout retourné. Ok, bon, on va aller voir bon, ça. Merci. Le cas semble complexe. Une génie, c'est une vache qui n'a encore jamais mis bas. Alors si le veau se présente mal, c'est mauvais signe. Soit on arrive à le remettre en place et puis on fait un vélage par voie normale, ou alors si vraiment il n'y a pas moyen de le retourner, il faudra faire une césarienne. Il ne faut pas traîner, surtout que l'éleveur avait l'air assez inquiet au téléphone. Dans cette ferme, les bêtes sont engraissées pour leur viande. Salut, salut. Ça va ? Fabien Tigeot élève 55 limousines. La forme. Ces vaches sont sa seule source de revenus. Marie doit absolument sauver la génisse et le veau. Je crois qu'il y a les pattes qui sortent, là. J'ai l'impression qu'il a le nez devant. Il est sur le dos. Tu crois qu'il est encore vivant ou... Je pense, ouais. Ça bouge ? Ça bouge, j'en sais rien. J'ai pas réussi à mettre la main, quoi, mais... Comment ? Il est chaud encore. Comme pour la vache laitière, le petit veau a les pattes qui sortent. Mais dès le premier examen, le diagnostic de la vétérinaire tombe. Un coup dur pour Fabien. Oh, bichette. Mais l'éleveur ne tergiverse pas très longtemps. Ça va pas passer notre affaire. Donc après, le veau est mort, ça c'est une chose. Après, faut sauver la vache, on va dire. Et c'est dommage pour moi, mais après, je veux aussi respecter sa santé. Puis c'est mon gagne-pain aussi, donc je veux pas que la vache meure. Voilà, ça a de la valeur quand même. Pratiquement 2000 euros, quoi. La seule solution, c'est la césarienne, sachant qu'on a déjà un veau qui sent mauvais, donc derrière avec risque d'infection. Ouais. Et de perte de vache. De perte de vache, ça. Enfin. Fabien fait vite le calcul. Une césarienne coûte 230 euros. Il tente l'opération. Pour cela, il installe la vache dans cette cage. On est bien loin de la clinique moderne et du bloc stérile où a été opéré le cheval Nevermind. La césarienne va se pratiquer au beau milieu de la cour, avec les moyens du bord. Est-ce que tu auras une petite ficelle pour attacher la queue, 2-3 seaux d'eau tiède bien propres, une petite table, 2-3 torchons. En plus, il va commencer à faire nuit. C'est à la lumière de la grange et de sa lampe frontale que la vétérinaire s'apprête à ouvrir le ventre de la vache. Oui. Oui, ça va ? Je suis sur une césarienne. Comme beaucoup de jeunes mamans, Marie gère de front son métier et sa vie de famille. Les deux sont... Allez, salut. C'est mon homme qui se demande où je suis et qui demande s'il doit récupérer les enfants. Les vaches, les enfants, le mari. Allez. Alors que sa famille rentre à la maison, Marie commence l'intervention. La génisse doit impérativement rester debout pour limiter les risques infectieux. Elle n'a donc droit qu'à une anesthésie locale. Bon, c'est parti. Malgré les conditions un peu extrêmes, chacun des gestes de la vétérinaire est précis et mesuré. Allez, bichette, ne nous emmerde pas. Ça va être vite fait. Au bout d'une demi-heure, Marie et Fabien réussissent enfin à extraire le veau. Alors, attends, c'est peut-être pas mal. Attends. Vas-y, fais une pause. Fais une pause. Malgré la violence de l'opération, la génisse reste calme. Attends, je vais revenir un peu la main. Allez, c'est fini, ma grosse. L'intervention s'est bien passée. Fabien est impressionné.
Marie, elle gère bien ça quand même. Elle mettrait la tête dans la panse, hein, s'il fallait. Elle vous épate ? Moi je suis... Ouais, épaté, je veux dire, je suis assez... Après, d'un côté, je la connais un petit peu comme ça. Je l'ai déjà vu intervenir, donc je suis pas surpris de ses compétences dans son métier et de ses qualités. Après, voilà, c'est pas à la portée de tous de faire ça, quoi. C'est bien, justement, que parfois, les éleveurs nous disent aussi qu'ils sont contents de nous, parce que c'est pas toujours le cas, on va dire. Des fois, ça se passe mal, ils savent râler. Et puis, du coup, quand ils sont contents de notre travail, ça fait du bien de le savoir aussi, quoi. Une fois la plaie refermée, Marie applique un spray qui agit comme un pansement. La touche finale. La déco de Noël. Fabien a pris la bonne décision. Il a sauvé sa vache. Ausculter un bovin, un cheval ou un chien, c'est parfois compliqué. Allez, poulette. Mais quand l'animal vit dans l'eau, les vétérinaires sont obligés de ruser. Comme avec les dauphins. À les voir exécuter ses pirouettes, on imagine qu'il est simple de les approcher. Même s'ils sont gentils, les dauphins restent des animaux sauvages. Pourtant, le docteur Emmanuel Rizzi, qui s'est occupé de la lionne, arrive à les examiner tranquillement. Il n'y a pas de pluie qui sort ? Bon, bah c'est bien. Ici, c'était coupé, scalpé, donc on avait fait quelques points pour approcher, mais ça n'a pas bien tenu en fait, et il cicatrise très très bien tout seul. Mais c'est un endroit où la nageoire bouge, donc c'est une petite plaie qui va mettre du temps à se refermer. Le dauphin montre gentiment ses nageoires, car son dresseur l'a habitué à se mettre sur le dos. On appelle cela de l'entraînement médical, une technique venue des États-Unis. Tout en leur apprenant à faire des figures, les dresseurs habituent les mammifères à se mettre dans différentes positions, pour permettre aux vétérinaires de les ausculter. On peut rester sur le dos comme ça, on pourrait faire une échographie, on pourrait lui faire une prise de sang, et c'est sous forme de jeu. Cette dresseuse habitue son dauphin à cracher pour faire des prélèvements. De la bouche. Celle-ci a montré ses dents. Et pourquoi vous faites ça ? Parce qu'ils ne viendront jamais nous dire qu'ils ont mal aux dents. Et donc il faut tous les jours regarder s'il n'y a pas un petit bobo qui commence. Parce que si un jour ils ont vraiment un problème, qu'on ne l'a pas bien vu, qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils ont maigri, bah on perd du temps. Et on perd des chances de bien les soigner. C'est pour éviter de perdre du temps que ce service de vétérinaire à domicile a été créé en Île-de-France. Urgence vétérinaire, bonjour. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils répondent aux propriétaires angoissés. Oui, docteur Kier, vétérinaire. Donc un labrador de 6 semaines abattu, mange pas. L'activité s'intensifie à partir de 19h, lorsque les cabinets en ville ferment leurs portes. On va vous rappeler dès que le vétérinaire se mettra en route pour votre domicile. Allô ? Oui, Mickaël, c'est Chantal. Oui, Chantal. Tu penses être libre dans combien de temps ? On vient juste de terminer la première intervention, donc on peut repartir. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un chat de 13 ans, apathique, miaule bizarrement, se déplace. À l'autre bout du fil, Michael Luxenberg, l'un des 10 vétérinaires en service ce soir-là. Ah, tout à l'heure. C'est un peu SOS médecin et c'est un peu le SAMU. Vous n'avez pas le gyrophare, vous ? Non, j'ai pas de gyrophare et on aimerait bien l'avoir, mais on n'est pas véhicule prioritaire. Pourtant, en une seule nuit, Michael peut faire près d'une dizaine d'interventions. Bonsoir. Merci. Je vous suis ? Allez-y. Le malade qui l'attend est un vieux chat. Comment elle s'appelle ? Étoile. D'accord. Elle a quel âge ? Elle a 13 ans. Là, elle réagit pas du tout. Est-ce que c'était comme ça toute la journée ou non, vous trouvez que ça se dégrade ? C'est ce soir. C'est vraiment ce matin, elle sautait encore d'accord. Par la fenêtre. Étoile souffre d'une maladie des reins depuis longtemps. Son état s'est aggravé dans la soirée. Michael est pessimiste. Là, son état général est quand même très altéré. Vous en avez conscience ? On en est conscient, mais on n'est vraiment pas prêt à la faire piquer. D'accord. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est on fait une prise de sang, on voit combien on est, et en fonction du résultat, on prend une décision. Soit de la soigner, si on peut la soigner, d'accord. Soit de s'arrêter là, si on ne peut pas la soigner.
Ça vous convient ? Oui. D'accord. Mickaël les ménage. Mais il y a une autre donnée à prendre en compte. À 13 ans, Étoile est déjà une vieille dame. La plupart des chats vivent entre 12 et 18 ans. Mais la mère a du mal à envisager la vie sans l'animal de sa fille. Pour moi, c'est l'enfance de Léa. C'était le chat qui l'a réveillée dans son lit. C'était une vision de... C'était chouette, j'aimais bien les voir toutes les deux jouer avec les pelotes de laine, courir. Enfin, j'aimais bien. C'est Étoile, elle a son caractère assez spécial, plutôt solitaire. Il paraît qu'on a le même caractère toutes les deux. Je râle tout le temps comme elle. Donc, voilà. Puisque les animaux ressemblent au maître, voilà. Ah oui, ça. Deux râleuses. Mais Étoile est trop faible à présent pour râler. Elle ne bouge même pas quand le vétérinaire tente de lui prélever quelques gouttes de sang. J'ai vraiment pas de pression, j'arrive pas à aspirer, mais normalement ça devrait aller. Il faut combien ? Ça va aller, ça va suffire. Ah, ça va suffire ? Oui, j'ai besoin de... Grâce à son laboratoire miniature, Mickaël peut réaliser des analyses sanguines en urgence. Mais malheureusement... Les résultats n'éclairent pas le vétérinaire sur le mauvais état de l'animal. Quoi, on n'est pas sur des valeurs catastrophiques. Donc là, ça n'explique pas vraiment la gravité de son état. Donc clairement, je pense qu'il y a autre chose et je pense qu'il faut essayer de la soigner. Les analyses révèlent surtout qu'Étoile est déshydratée. Il la met sous perfusion. Tenez, vous me tenez ça comme ça ? Mais cela ne suffit pas. Le chat est aussi en hypothermie. Sa température a chuté de 5 degrés. Malgré un calme apparent, Mickaël sait qu'il doit agir vite. Voilà, clairement, là, il faut que la température remonte, sinon votre chat risque de mourir. Vous pouvez mettre de l'eau chaude dans une bouteille d'eau. Absolument. Et mettre une petite serviette autour, ça ferait une bouillotte. Absolument. Il faut le faire tout de suite. Votre chat, il a 33 de température, c'est la cata. Le petit chat doit rapidement retrouver une température de 38 degrés. C'est bon ? Ouais ? C'est bien chaud ? C'est bien chaud, mais je ne sais pas si... Ouais, très bien. Voilà, mon chat, faut que tu te réchauffes. Faut que tu te réchauffes, faut que tu te réhydrates. Et quand il y a du soin, ça donne de l'espoir. Même si c'est vain, il se passe quelque chose. On se dit que ça va peut-être lui faire du bien. Là, il est 22h. Oui. Vous me rappelez à 23h et vous me dites où on en est. D'accord. Ah, il commence à bouger un tout petit peu. Allez, ma belle. Mickaël part sur une autre intervention, mais très vite, la propriétaire d'Étoile le rappelle. C'est pour vous dire, je crois que mon chat est en train de mourir, en fait, parce qu'elle a remiolé. Ça va et pas là, bien. Elle bouge plus du tout. Vous voulez qu'on repasse ? Oui, ce sera bien. D'accord, je pense que si ça va pas mieux, c'est raisonnable comme décision. Sa propriétaire voulait qu'on tente le tout pour le tout, on a tenté le tout pour le tout, mais c'est vrai que l'état du chat ne s'améliore pas, donc on va aller voir ce qu'il en est, mais il y a de fortes chances qu'on l'euthanasie. Pour éviter qu'il se mette à souffrir et qu'il meure dans des conditions décentes et... qu'il soit pas désagréable pour lui. Il est 23h30 quand Mickaël retourne au domicile d'Étoile. Toujours. Dans la famille, l'heure est au recueillement. Allez. Il faut que s'arrêter là. Non, là, elle est au bout du rouleau. Bon, je vais faire une anesthésie très poussée. Voilà, elle va s'endormir et partir. Je préfère que vous la laissiez là, vous pouvez la caresser si vous voulez. Allez, elle va partir tout doucement. Thank you.
J'ai déjà dû faire euthanasier mes animaux. Je sais que c'est, voilà, c'est un déchirement, mais la médecine accompagne la vie du début à la fin. Et voilà, il faut aussi savoir accompagner une fin de vie, et ce qui était le cas là aujourd'hui.